Le budget annuel voté pour l'Aude s'élève pour 2014 à 424 millions d'euros qui seront dépensés cette année pour améliorer votre vie quotidienne. Comment ? Imaginons que le budget total soit de 100 euros. Voici ce que représenterait chaque dépense. Les solidarités sont les premières dépenses du Conseil général. Elles représentent plus de la moitié de son budget total. En 2012, elles représentaient près de 340 euros par habitant, dont 39 euros pour aider les personnes handicapées dans leur vie quotidienne, 98 euros pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile et 203 euros pour aider les personnes sans ressources. Un effort important est aussi porté sur l'éducation, avec un budget voté de 42 millions d'euros pour la construction des collèges de Castelnaudary et Lézignan et la halle au sport de Carcassonne. Et pour relier ces collèges, mais aussi les nombreux villages et villes de l'Aude, le Conseil général continue son investissement dans les 4300 km du réseau routier du département, l'un des plus importants de France. Face à la crise, le département soutient plus que jamais l'activité économique des territoires avec près de 70 millions de subventions et aides aux projets et aux communes. Mais ce budget est aussi celui des générations futures. Le Conseil général continue de maîtriser sa dette. Alors qu'elle augmente en moyenne ailleurs, elle est passée de 522 euros par audois en 2009 à 436 euros en 2012. Les finances du département de l'Aude sont saines. Les engagements sont tenus sur tout le territoire.